sombo, que la sombo cae en mano, que la sombo, oh, 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 oh. Je n'ai pas envie de dire comment ça va, parce que bon, mais les gars même me disent bonjour. Hein? Je dis simplement Yako. Je dis simplement Yako. Et j'étais venu ici la dernière fois. Moi, je m'apprêtais à venir avec tout ce qui était matériel, des toilettes, tout ça, pour vous. Vos pas d'antifrice, vos brosses à dents, votre savon. Et puis, bim, le vent est venu encore. Et puis, je peux vous dire, je suis d'abord venu pour dire. Merci. Mais le vent aussi est venu dire que c'est la Saturne triste. Il y a des messages qui sont derrière les dégâts. Bonjour. Bon boulot à vous. Voilà. Et puis, il y a quoi à l'école? Ça, c'est la partie de point. Voilà. Pour aider ceux qui sont en train de travailler, à aller vite. Et ça, c'est pour le produit du nettoyage. Pour les hygiéniques, pour les toilettes, que nous, jeunes, soyons là. Dans les bonnes conditions. Ça, c'est le savon. Qui puisse. Voilà, c'est pour eux. Pendant un moment, ils ne payent pas de savon. C'est ça aussi, avoir un bon grand frère. Pas d'antifrice. Voilà, chaque pas d'antifrice est accompagné d'une brosse à dents. C'est le sac à poubelle. Les serviettes hygiéniques pour nos petits tueurs. Je voudrais lancer un appel à nos autorités. Parce que tout le monde ne peut pas aller à Bidjan pour aller à l'école. Dans les fins fonds de la Côte d'Ivoire, comme dit Béroua, il y a de bonnes personnalités. Il y a des personnes, le père Ali qui avait créé ce centre, qui forme nos enfants à l'industrie, à la menuiserie, à la maçonnerie. Et je pense que pour que demain, on ait des cadres compétitifs, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin que de ceux qui vont jusqu'au sommet pour aller dans les bureaux. Ceux qui sont dans le petit métier, il faut les encourager, il faut les motiver. Pour ne pas que nos enfants fuient notre pays, fuient notre continent, pour aller mourir dans la Méditerranée. Ceux-ci ont décidé de se former. Il faut leur donner une chance. Aujourd'hui, leur centre est décoiffé, détruit. Nous sommes des personnes physiques. On essaie d'apporter ce qu'on peut. Je souhaite qu'il y ait un accompagnement institutionnel. Et nous comptons sur vous. Si vous êtes aussi des personnalités, de bonne volonté, vous pouvez apporter votre appui à cet établissement et à vos enfants, à nos enfants. Nous comptons sur vous. Payez une feuille de tôle, payez ce qu'il faut, des pots de peinture, payez du matériel à leur donner, ça ne va pas gâter vos projets. Voilà. Merci beaucoup.
Il faut travailler, il ne faut pas aller demander l'aumône. C'est très important. Et que personne n'ait distrait ici. Vous dites, je vous envoie en France, je vous envoie en Italie, je vous envoie en Europe. Chers enfants. Il faut trouver le bonheur dans ce qu'on a. C'est la recherche du bonheur dans ce qu'on n'a pas qui est au début de nos problèmes. Apprenez ici. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin de cela. Et qui a besoin de vous. Concentrez-vous. Et demain sera meilleur. Rejoignez-nous au projet.